على إحسانه له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Et fin arrive lors de nos dernières sessions, causerie concernant relations parents-enfants. Et Tchitkena avec nous aujourd'hui, c'est parents et enfants, une relation qui continue même après l'amour. Qui fait important pour moi prendre concernant ça, parce que moi, en tant qu'enfant, quand nous disons enfants, même qu'il a ce qui m'a fait arriver, 40 ans, 50 ans, 60 ans, me reste toujours un enfant pour mes parents. Qui fait important, soit moi un enfant, qui mes parents encore toujours, l'alhamdoulilah, me voir prendre, me boucon, me les voir envers mes parents, comme mes parents viennent quitter sa doune dans la finale. Ou bien, moi un enfant, qui mes parents finissent aller. Je dois prendre ma responsabilité vis-à-vis de mes parents afin que mes parents les profitent et les gagnent maximum récompense. Cher Hussein Ibn Rahimahullah, en ce qui concerne Birr al-Walidain, agir bien envers les parents, Cher Hussein Ibn dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui fait précède Birr al-Walidain, le djihad. Fi sabilillah dans le jihad, dans le chemin Allah. Cheikh Uthaymin, l'Amin Hadith, quand Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, lui demande à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Ayyul amali ahabu ilallah. Qui action qui Allah plus content? Qui action qui plus chère auprès d'Allah? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui répond, As-salatu ala waqtiha. Les dire ces salats de soleil. Abdullah ibn Mas'ud, les demandait tout ma ayou, ensuite qui action? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui répond, les dire birr al-walidayn, agir bien envers parents. Et pour une troisième fois, ibn Mas'ud, les dire tout ma ayou, ensuite qui action? Et lui répond, al-jihad fi sabilillah, c'est jihad dans le chemin Allah. Ensuite, j'ai refait, mais rahimahullah, lui amène un deuxième hadith pour connaître l'importance de birr al-walidain, agir bien envers les parents. Il dit, ce hadith-là, ce isnad est correct, ce chaîne de narration est correct. Quand une personne, lui vient venir contre Rasulullah sallallahu wa sallam, et lui dit à le prophète, qui m'a désir pour participer de jihad, mais seulement, je peux avoir la capacité de me faire. Le message d'Allah, il dit à sa personne-là, est-ce qu'il, parmi tes deux parents, il y a un qui est encore vivant? Parmi tes deux parents, ton maman, ton papa, est-ce qu'il y a un qui est encore vivant parmi eux? Sa personne-là, il dit oui. Il dit oui, mon maman. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit à sa personne-là, قابل الله في برها. Rencontre Allah de l'obéissance aux mamans. En d'autres mots, n'a pas mot excepté de l'obéissance aux mamans. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui continue de dire فَإِنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ. Alors, si tu fais ça, ne pas mot excepté de l'obéissance aux mamans, فَأَنْتَ حَاجٌ. Tu es celui qui finit accomplir Hajj. Ou un mortamir, c'est lui qui finit accomplir Umrah. Ou un mujahid, et un mujahid, c'est lui qui finit la guerre dans le chemin Allah. Quelle récompense et l'importance, birr al-walidain, agir bien envers les parents. Pendant que mes parents sont vivants, moi je peux toujours garder une bonne relation avec mon maman, mon papa. Quand l'amour vient venir, je me sentis comme si l'amour de sa relation. Il y a un gap entre moi et mes parents. Si je me présente ça,
prend la bonne nouvelle, rapportée par Abdullah ibn Omar. Il dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man ahabba an yasla abahu fi qabrihi, celui qui voulait maintenir une bonne relation avec ce papa d'Akabar, fal yasil ikhwana abihi ba'dahu. Alors qu'il y garde une bonne relation avec ce papa, ce man frère, après lui. Pareil comme un parent, il fait sacrifice, il fait maximum d'efforts pour bien-être de ses enfants. La même façon, moi, en tant que bon enfant, malgré qu'il ne m'a pas gagné le temps au travail, malgré qu'il m'a madame, mon enfant, mon la case pour occuper, je tiens le temps pour mes parents. Je tiens le temps pour maintenir sa bonne relation qu'il m'a avec mes parents là, même après son amour. Je ne peux pas oublier le sacrifice que mes parents ont fait pour moi. Un des bons profits qui a un enfant, les apporte à ses parents, c'est lui faire dua pour ses parents. Un hadith rapporté par Abu Huraira radiallahu anhu, il rapporte que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit « Iza mata l'insanu, quand un dimon li mort, in qata'a anhu amaluhu. » Sa bonne action discontinue. En d'autres mots, il n'est plus une récompense pour les gagner, excepté toi. Qui ça croit là? Premier, sadaqatin jariya. Un sadaqa jariya, une charité continuelle. Deuxième, c'est aurilmin yantafi'ubi, une connaissance qui profite du monde. Et troisième, awaladin salihin yadu'ula. Troisième, un enfant qui pieux, qui peut faire dua pour ses parents. Écoute bien. Waladin salihin yad'oula. Un enfant qui pieux pour mouban dua, mouban pardon, qui m'a demandé avec Allah pour mes parents, faudrait qu'il m'a même mon pieux afin que sa bande dua là, capable d'accepter. Si m'a vu qu'on valait sa dua là, demande pardon pour mes parents, qui valait qu'il y en a, nous avons un hadith qui rapporte à Abu Huraira, il dit certainement une personne se gratte pour élever le paradis. Et ça dit, Mouna, il vous demande, il vous dit, Anna Hada, comment ça, ce rat peut élever de Janna, pour dire à sa personne, Bi istighfari waladikalak. Pardon, qui te en peut demander pour toi. Essayez d'imaginer, ou comme parent, ou de Janna, ou grade peut élever, quand vous peut demander, comment ça peut informer, qui aux enfants, ou tu fille, un tel, ou garçon, un tel, par ce pardon, au daraja, au gratter enlevé de Janna, ou d'écarter satisfaction ça, ou d'écarter le nez pour sa parent là ça, mais qui fait moi en tant que bons enfants, mon pas honore vos parents, sa qualité là, mon père toi, ou tiens les temps pour mon parent. Allah subhanahu wa ta'ala, il fin enseigne nos toi pour nos mamans et nos papas. Comment il y a dans surat al-Isra, Rabbi irhamhuma, umu Rabb. Et n'a pitié, l'ozodé, l'o, maman, mon papa, kama rabbayani sagira, pareil, ou ma zotchi pour ma compte, comme au titi. Rabbi irhamhuma, kama rabbayani sagira. Et un deuxième dua, qui trouve dans surah Nuh, Rabbi irfirli, umu Rabb, pardonne-moi, wali walideya, et pardonne mon maman, mon papa. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي دي دعاء كيستان دي فراز كي فاسيل بو ميموريزي دي فراز كي باكوت موا ميم ان مينيت بو مولي كي في مو با فيسا فين ان اوبليغاسيون لو موا بو مو تيي لي تان بو مو ديمون استغفار بو مو بارا بو مو ماما مو بابا فين كيت سال دو نيا فينالي. Deuxième profit qu'un enfant qui a envie de maintenir une bonne relation avec ses parents après son amour, c'est les rembourses dites envers Allah. Qui appelle rembourses dites envers Allah, Ibn Abbas, radiallahu anhu, dit, une personne qui vient contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, elle lui dit, au messager d'Allah, mon maman fin mot, elle est ena pour God en noir rosa. Est-ce qu'il est capable de remplacer sa rose à la police? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit à sa personne,
لو كان على أمك دين سيتي إنك الدس لو أماما سيتي إنك الدس لو أماما إسكي إسكي وبات بوران بوس لبولي سافير سنة لديا وي إي المساج دالا لريبون لديا لدي فدين الله أحق أن يقضى Il répond à lui qui dette pour Allah les plus mérites pour rembourser. Après rembourser dette envers Allah, gagne rembourser dette envers du monde. Rapporté par Abu Huraira radiallahu anhu, il dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit que rouh, l'âme d'un croyant, il reste suspendu à cause de dette. Aussi longtemps qu'il rembourse sa dette la poulet. Deuxième hadith, qui rapporte par Abu al-As, il dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finjia, concernant un shahid, il est pardonné pour tout ce péché, excepté dette. Ça deux hadiths, ça peut mettre l'emphase aux dettes. Quand une personne beau, guette l'importance pour rembourser dette pour sa personne-là. La même façon, si mon maman ne va pas, il fait une petite sadounia là avec une dette, moi en tant que bon enfant, vous faites effort pour me rembourser sa dette là pour mes parents. Quatrième profit, qui est un bon enfant, il profite à ses parents, c'est il fait sadaqa. Il fait la charité, il dépense dans le chemin Allah. Rapporté par Sa'ad ibn Ubada, il raconte et il dit qu'il se maman si mort. Alors qu'il est Sa'ad, il est loin avec lui. Il dit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, « Ô messager d'Allah, mon maman fait une mot dans mon absence. Est-ce que si vous faites une sadaqa pour lui, ça vous profite-lui ?» Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui répond oui. Alors Sa'ad ibn Ubada lui dit, « Me prends-vous comme témoin, qui m'a voyagé, qui productif là, me offre ça comme sadaqa pour mon maman. » Get l'amour, sa fahab, il a pour son maman. L'ifin donne, comme ça, d'après pour son maman, un viager. Et pas n'importe qui viager, un viager productif. Ça, à l'époque-là, viager, c'est une des autres sources plus rentables qui tiennent. L'ifin offert un viager qui est productif à son maman. Ensuite, en ce qui concerne Ben Sawab, Jariya, Ben Pavé, Zahimahullah, nous comptons y profiter avec ses connaissances, nous comptons y profiter avec Ben Zéfo, qui l'infère Poudine, il ajoute, concernant l'affaire Sadaqa pour un des mouns qui mourent, il dit, participer avec l'argent, participer avec matériaux construction, de construction masjid et construction madrasa. Hadith rapporté par Othman, radiallahu anhu, il dit, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit « Man bana masjidan lillah » C'est lui qui construit, qui a rendu un masjid pour Allah « Ban Allahu lahu fil jannah mithlahu » Allah pour construire pareil pour lui de jannah. Et nous au courant, ça va un masjid là qui est en construction. C'est une occasion pour nous investir nous-mêmes dans nos akhirat et en même temps pour nos parents, afin que nos parents gagnent maximum récompense. Et bien, par exemple, il ajoute encore, man l'exemple, il dit, prends, sors, la paix, un professeur madrasa. Parce qu'un professeur madrasa, il peut enseigner, man disait, dini comme Coran, ça enfant, il grandit, il enseigne les autres, ça mène comme une forme, ça la fajariya. Et il ajoute encore, man l'exemple, finance, propagation de l'islam. Nous connaissons une organisation qui est fiable, nous donne l'argent là-bas, et c'est la propagation de l'islam. Et en même temps, il donne l'exemple pour faire à manger à un pauvre, il va par exemple dire, ensuite sa personne-là, il fait droit avec Allah, et Allah il accepte sa bonne action-là, et ses parents, il gagne sa bonne récompense. Quand nous donnons Sadaqa, une question qui vient de la tête, qui est-il meilleur Sadaqa? Meilleur Sadaqa, c'est offrir de l'eau à boire. Imam Ahmad, et bien les autres, rapporte des Sa'ad ibn Ubada qui se m'a matimo et il fait une demande à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Au messager d'Allah, mon maman fait une mot, est-ce qu'il est capable de faire sa sadaqa pour lui?
Le messager d'Allah lui répond oui. Et Saad ibn Ubada, il pose question. Qui sadaqa fi miyya? Quitte sa question-là. Pour nous, les contraires. Tout qui chose dunya, potab, morot se ki miyya. Le deux morot se ki miyya. Mais en ce qui concerne din, morot badbati. Quitte ben sahaba, ou akhirat, zotrot se ki miyya. Il pose question. Qui sadaqa fi miyya? Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui répond. Il dit, saqiyul ma, offrir de l'eau à boire, donne de l'eau à boire. Moi, comme un bon enfant qui a envie de maintenir une bonne relation avec mes parents, qui fait le mot, Alhamdulillah, aujourd'hui, il y a une organisation comme Al-Ihsan et en même temps comme Islam et Khalif, qui nous gagne l'occasion pour nous acheter un puits. Un puits de l'eau, soit pour moi, soit pour ma cellule, pour mes parents, qui fait le mot, afin que mes parents gagnent maximum récompense. Et cinquième point, c'est exécute ban wasiya qui donne l'obéissance à Allah. Wasiya, c'est testament. Wasiya, c'est recommandation que Endimoun fin faire avant les mots. Premier, et ça m'a l'exemple là, c'est l'exemple, par exemple, de dire concernant dette. Si mon parent fait wasiya pour lui rendre sa dette et lui tient envers Endimoun, et mon parent fin mot, il est du vol au moins en tant qu'enfant, mon exécute sa wasiya là. Deuxième, si Dimoun qui confie qu'il est l'objet ou bien l'argent à mes parents, et tu fais wasiya pour retourner après la mort de mes parents, mon exécute sa wasiya là, mon retourne sa main l'objet là. Et dernier, l'engagement avec Dimoun. Si mes parents, tu prends l'engagement pour faire un bon travail, et tu fais wasiya pour terminer ce travail là, moi comme enfant, si mes parents font beau, mon fait des faux, mon exécute savoir s'il y a là, pour terminer sa bon travail. Il y a là de nos compréhensions de ce qu'il nous fait entendre, nous passe la parole, nous frère Adnan.